Mika Ben nous connaît et jodi a là et information te bay c'est un funérail bon ici d'Haïti dans l'église Saint-Pierre de Pétionville. Donc nous t'a capable regarder tout à l'heure là image était disponible sur Téléclair côté que équipe là était présent et pour nous-mêmes te permettre ou capable vivre et funérailles ça la caillou qu'on connaît Mika Ben lui-même qui quitte nous dans mois novembre avec bien sûr un pile fougue et après une dernière prestation et nous connaît comment ça a été passé et ben aujourd'hui à la c'est funérailles Mika Ben lui-même dans la cour Haïti Jean et frère Lian t'a annoncé lui Mika Ben a rentré dans pays donc c'est facette ça qui présenté aujourd'hui à la non moment à parler à la non l'église Saint-Pierre de Pétionville. Thank you.
Et puis, senti, le témoigné pour les vies pour célébration, ça, ils ont pu voir. Et puis, content, on est capable là, participer, et non seulement pour dire, Lionel, à cause de merci, même pour Zimika, merci pour ça que tu fais pour nous. Merci d'avoir tout le monde, artiste, de vous accompagner. Mais des talents, des idées, la polyvalence. Merci. Tout don que mon Dieu t'a parlé, pour te mettre dans le service du monde. À prochain. Tout à l'heure, à la fin de la cérémonie, il y aura d'autres témoignages. Et nous tous, nous prenons un témoignage qui va être déjà là. Mais nous parlons de leur considérer. À tout le monde qui t'a prié. Et c'est au nom de notre foi, ce matin, nous sommes là, dans cette église, pour demander au Seigneur d'accueillir notre frère dans son paradis. Les funérailles chrétiennes portent deux pôles. D'un côté, on voit le mystère de la mort, naturellement, le mystère de la mort. Et de l'autre, il y a une exhortation pour accueillir la parole de Dieu aujourd'hui dans notre vie. Nous cheminons vers ce royaume. Et entre le mystère de la mort, nous essayons de comprendre la lumière de la mort et la résurrection de Christ. Et l'exhortation qui nous est faite à chaque fois pour conformer notre vie à la parole de Dieu, c'est ça. Je dirais même, Seigneur, la miséricorde de Dieu. En effet, quand on dit que quelqu'un est parti, ce n'est pas de l'homme